pour recommencer, on enchaîne avec la suite de je sais plus quoi, la chambre des péchés, c'est ça? Ouais, la chambre des péchés. Voilà. C'était rapide. Ouais, un magnifique bug de connexion. Ah, fait chier quoi, on est bien hypé, tout se passe bien, l'émission avance bien. Ah ouais, putain, on est retourné au campement de la forêt. Putain, les salauds. Ah, bah ouais. Les salauds. Bah. Alors, on se téléporte. Direction. Ah oui, la chambre des péchés, on n'a pas trouvé le truc, donc non, on va à la croisée des chemins. La croisée des chemins, ouais. Ah, bah surtout que la map elle va changer de sens. Donc il sera plus haut le chemin. Attends, pars pas tout de suite, je suis pas encore là, je suis pas encore au campement moi. Ok, bah moi j'y suis déjà donc. Ouais. Moi je suis déjà à croiser des chemins. Ah, au pire, pars déjà en éclaireur, je te rejoins. J'espère que t'es avec moi d'abord. Non, parce que je connais le jeu hein, maintenant. Ouais. Alors là, je suis. Au campement. La croisée des chemins. Bah non, la chambre des péchés, on l'a le portail. Ah non, on l'a pas encore. Non, on l'a pas. Mais il y en a un là-bas, c'est pour ça que c'était trompeur. Oh, attends une fois. Attends une fois. Ah, dommage. Ouais, je te vois. Voilà, coucou. Ouais, on y va. Ah, par contre, la map est restée ouverte. Ah. D'accord. Bah, c'est là-bas en haut alors hein. Ouais. Pour une trace, fois. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai piqué le mauvais chemin. Bah voilà, pour une fois c'est resté ouvert, voilà, chambre des péchés, bonjour, nous revoilà. On est de retour. Bon, par contre, ici non, hein, ça. Bon, on y va. De toute façon, les zombies, hein, ils font mal. Bah, maintenant, ils font plus d'acide. Ouais, c'était des squelettes, c'était pas des zombies. Ouais, c'est pour ça. Regarde si ta cuirasse, elle est bien augmentée comme je te l'avais rendu. Après. Attends. Ah, oh, oui, j'ai bien une cuirasse à 259. Ça aurait été con quand même. J'ai des bottes de chèvre supérieures. Des bottes de chèvre? Ici derrière toi. Elles font bottes mais chèvres. Quand elles marchent. Elles font mais. Non, j'ai pas cette dextérité, ça sert à rien que je les prenne. Bon, on y va. Go. Ah, je dois pas partir. Je dois pas partir dans la même sens que toi, donc tout va bien. Mais oh, je suis du mauvais côté, parce que moi je suis impressionné. J'arrive. Hop, j'ai refait le tour. Y'a les enfers. Y'a les enfers. Appelle les enfers. Ouais, invocation des enfers et tourbillon de mon cul. Ah ouais! Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi maintenant. Vraiment, tu peux pas me toucher avec ça. On y va. Ah, mais y'a plus les morts déjà. Si, ça va apparaître, t'inquiète. Ça fait des dégâts ou pas? Je sais pas du tout ce que ça fait. J'ai aucune idée. Renseigne-toi au pire sur mon sort. Bon, j'envoie des bouboules partout. Oui, des bouboules! Comment tu fais pour te renseigner sur ton sort? Oh! Talisman de chair immortelle. Alors ça fait quoi? De la dextérité, des précisions, c'est pour moi ça. Bah, your bark. Talisman mandibule. Augmentation de la vitesse d'attaque et d'incantation. Ouais, c'est pour moi aussi ça. Ah, c'est ici que tu sais comment ça fonctionne, ouais. Tes sorts. Ouais, R2. Regarde une fois si ton sort t'as des infos dessus. Ok, donc c'est un effet de contagion. D'accord, ouais, c'est du poison des enfers, quoi. Ouais, et si l'ennemi meurt à cause de ton poison,
il infecte toutes les personnes qui sont sur la map autour de lui. Oh! Ça c'est pas mal. Bonjour! C'est ça en fait! J'ai le poison Corona, vieux. C'est moi qui ai la souche, la cellule souche. Il a foutu la merde! C'est un traître. Voilà, hop. Ah oui, d'accord, là, les... Ah, c'est la mort noire, hein, du coup. Allez, ici, la mort noire, du coup. Dégage, la mort noire de ta mère. Allez, dégage! Voilà, sceptre de quartz, diadème de mes couilles. Alors. Le sceptre de quartz, peut-être pour toi. Le pourpoint d'écaille. Non, parce que mon sceptre, je viens de l'augmenter, donc. Ouais. Du coup, à mon avis, je pense qu'on est bien pour un moment là. Ah non. Ah. Achoum. Bordel de Zeus. Par où on doit aller? Ouais, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. T'as pas une impression, je le dis tout de suite. Bon, c'est de l'autre côté alors. On redescend. La 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 la. Ah oui, y'a des monstres ici. Oui. Ah, y'a des araignées. Attends, des flammes. Y'a des araignées. Dégage, putain. Poison. Putain, le poison. Y'a des dégâts. Alors, flacon de vie. On a déjà ça. Flamme. Bague de. C'est pour moi ça. Une bague qui donne du mana, c'est toujours bon pour moi ça. Toi, je pense pas que tu utilises autant de mana que moi. Non. Moi, je mets des patates de forain. Ah, c'est quoi ça? Esprit. Ah, mais la bague de pouillage, je l'ai déjà. Et la bague de corail. Ah, mais la bague de pouillage, je peux peut-être l'augmenter. J'ai des orbes d'augmentation. Nierk. Y'a quelqu'un qui me tire dessus là, c'est qui? Saloperie. Ouais. Attends, je vais augmenter la bague de pouilla. Pardon. D'accord. Alors, gourdin, Butterfoot. Voilà. Une tunique, t'as combien en dextérité? En dextérité? Attends. Ouais. 24. Non. Désolé. Ah bah, du coup, ouais, j'ai pu améliorer la bague. J'avais une tunique, mais il faut 56 en dextérité. Oh! Non, c'est pas pour moi alors. Moi, je suis plus intelligence. Yalata! T'es parti par où? Oh, elle est partie par deux chemins différents en fait. Bah, c'est surtout que je sais pas où t'es parti, moi. Bon, bah, c'est pas grave, on va se rejoindre à mon avis si je vais par là. La 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 la. Ouais, tu vois, continue, moi je te rejoins par là. Ah, ouais, t'inquiète. Je t'ai vu, coucou. Ouais, j'ai fait le tour. Je fais l'autre tour, moi. On doit aller où maintenant? Ah, explorer la chambre, à mon avis, on doit aller tout en haut. Par contre, s'il y a vraiment cette pêche, elle va être longue. J'ai pris un niveau. Cul de sac. En fou, j'ai pris un niveau. T'es niveau combien? 23? Ouais. 24. 23. Ah, moi je suis depuis longtemps 23. Alors. Du coup maintenant. Voilà. Ah, ils sont là les zombies. Dégâts à l'épée augmentée. Il fait des dégâts. Mais par où? Mais par où t'as été? Je me suis perdu. Comment t'as fait pour aller là? Par là et par là. Ok. Voilà, boss mort. J'ai même pas vu. Oh! Ah, un coffre-fort avec un. Ouais! C'était un coffre-fort maudit, j'allais te prévenir, hein, Zouave! J'avais compris! Amulette en or? C'est quoi, amulette en or? Non, ça sert à rien. Bah, y'a déjà plus personne? Oh, c'est dommage! Alors, du coup. Ah, pas feu long feu. Maillot de soie, non. Bouclier, non. Plastron de mes couilles, non. Stylet, non. Baguette sculptée 9-17, non. Sceptre, non. Baume, non. Du
coup, j'ai combien d'armure maintenant comme j'ai boosté? Ah, j'ai... Attends, j'ai moins d'armure qu'avant. Va comprendre. Ouais, j'ai un souci avec mon inventaire. Pourquoi? T'as trop? Non, je peux plus jeter mes objets. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un bug. Bah, bouge. Peut-être que t'as trop d'objets au même endroit. Voilà. C'est ça. D'accord. Ah, il panique déjà. Mon dieu, je vais repugger. Bah non. Bon, par où maintenant? Bah, c'est un cul de sac, donc c'est pas par là. On va aller en bas. Ah bah non, c'est pas par là non plus. Bah, c'est par là alors. Ah, téléporteur, il est là, je le vois. C'est de bonnes nouvelles. Ouais, comme ça, si ça bug encore. Y'a des copains! Oui, les copains! Téléporteur! Dispositif activé. Arriverie ancienne. Inquisitor. Ah, on sent un livre à la con. Je pensais que c'était un mécanisme. Non. Voilà. Moi, je reviens de l'autre côté. Reviens en arrière. On peut pas aller, de toute façon. La porte est close. La porte est close. Bonjour les araignées. Dégage, la araignée. Araignée. Tu vas décoter. C'était la salle du trône. Elle est déjà plus en trône. Yeah. C'était. C'était. Bon, c'est pas le bon endroit. Par ici? Par là. Ah, à mon avis, par ici, ouais, j'ai la suite. La chambre des déchets niveau 2. Ah, on descend. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. On descend dans les tréfonds des enfers. Descendons alors. Niveau 2. Oui. Au moins on a le portail du 1 si besoin. Accepter l'épreuve descendante de cette. Ok. Je parie qu'il faut niquer ça. Ah. C'est fait. Il balance des crades aussi, c'est con. Il est mouru. Une baguette en quartz légendaire. Ah non. Ouais, ça dépend ce qu'elle donne. Ouais, mais elle est déjà légendaire, donc si elle m'intéresse. Ouais, non. Ouais, faut regarder quand même. Je vais regarder, mais je pense pas. Moi je regarde toujours, quand même, on sait jamais. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde, je confirme. En fait c'est une quartz légendaire qui te donne que un atout, alors que moi j'ai une mauve qui t'en donne 4. Ça dégage. Alors, on se casse. C'est de l'autre côté. La 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 la. Allez, on passe les enfers. Tiens, au passage, je l'ai lancé le coffre maudit aussi. Ah. Mais où? Mais t'es un sadique. Oui. Déjà. J'ai dit, tant qu'à faire, autant tout faire en même temps. Bah, ils sont nuls à chier, hein, y'a plus personne. On attend que les enfers s'arrêtent. Ah. Y'a des enfers.
Voilà. A plus. Bon. Alors, tac 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 tac. Moi je vais ici. Ah bah tu peux au même endroit. Attends, je vais de l'autre côté alors. Hop. C'est la merde. Un couteau. Non. Une hache, non. Elle fait combien d'haches? Non, c'est une hachette, pardon. En plus. Ya, c'est quoi ça? Ah, le talisman. Ah oui. Il est corrompu. Je crois que mon armure, avant que je trouve une armure qui passe plus, j'ai un peu de temps. Tu crois? Bah à mon avis celle-là je pense que tu peux l'utiliser cette amulette. Attends je te la viens. C'est une amulette qui donne des dégâts d'attaque et de la résistance élémentaire. Ça peut tu dire, ça peut t'aider toi. Attends, je vais d'abord voir ce que j'ai parce que j'en ai déjà une. Je te la mets par contre. Moi j'en ai une qui fait en dégâts d'attaque plus 26. Ah mais peut-être. Regarde. Attends, on va regarder. C'est moi mon amulette que j'ai trouvé, elle me donne des zombies en plus. Donc ça peut être intéressant. C'est rat du coup courmenté talisman, c'est ça? Ouais. 7 d'augmentation de vitesse d'attaque et d'incantation. 6 pour tous les attributs. 11 d'augmentation de chance de coup critique. 3 d'augmentation de bouclier d'énergie maximale. 4 de toute résistance élémentaire. Non, c'est plutôt pour toi que pour moi. Ouais, mais j'en ai déjà une, moi. Ah, moi ça m'intéresse pas. Moi j'en ai une qui fait bien plus en dégâts. Ok. C'est pas grave. Restez confinés, bande de salopes. C'est ça. C'est l'entrée, vous restez là. Attends. Elle est parchemin de sagesse, il sert encore à quoi? Je sais même plus déjà. Sagesse, je sais plus. Ah, il y a un monstre. Ah oui, c'est pour identifier un objet non identifié. Il y a un monstre? Oh ouais. Exhale le cerveau. A plus. A plus de cerveau. Cerveau. A plus. Bon. Bah, on peut aller voir par là. Hein. Écoute. Ah. T'as la suite de l'histoire. Ici. Ah. Ah, c'est l'épreuve. Wouhou. Wouhou. Yeah. Il faut aller avant elle. J'attends le prochain passage. Ah, j'ai un interrupteur. Ouais, interrupteur c'est fait. Ça ouvre quoi? Ça ferme la porte? C'est couillon? Hein? Aou! T'es fait un peu scalper les guibolles. Aou, ça pique, chef. Aou. Hein? Je fais le tour. Aou. Par là. Ah, là. Voilà. D'accord. Voilà. Attends, on va récupérer tout ce qu'il y a par terre parce qu'il y a beaucoup. On a déjà fini la salle? C'était facile. Oh, je me mets ici. Moi je vais aller par là. Non, non. Moi je vais derrière le portail comme ça tu sais. Ok. Alors. Un stylet. Non.
Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Ah, j'ai une magie verte, mais je peux pas la mettre. Ah. J'ai encore une magie verte à mettre. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, est-ce que t'as des trucs intéressants, toi? Je sais pas. Voilà, rien d'intéressant. Allez, portail alors, hein. T'es où? Ah, t'es là. Ah, on a fini l'épreuve. Ah, mais moi j'ai pas activé la salle de la salle première. Quand on l'avait fait la dernière fois, je l'ai pas activé la pierre. Parce qu'en fait, quand tu l'actives, moi je l'ai pas activé. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Voilà. On a fait l'épreuve. Ouais. C'était... Bon. Du coup, bon, maintenant. Faut aller au milieu hein, alors. C'est où la suite de l'histoire? Attends, j'ai surtout l'impression qu'il n'y a pas de chemin. C'est de ma gueule? Elle est où la suite du niveau? Ah, je sais pas. On a juste fait une épreuve, mais les épreuves c'est secondaire. Bah ouais. Ça c'est ça de dépêcher niveau 1, donc maintenant il faut continuer, alors faut refouiller. C'est bizarre ce soit là. Ah, par là, ok, faut redescendre. Attends, je reviens. En fait, il y avait une salle qui était cachée qu'on l'avait pas vue. Ah, c'était caché? Ouais, là c'est la suite. Ok, là c'est la suite. Il y a attends du monde. Moi. Attends-moi, j'arrive, je vais taper sur les champs avec toi, t'inquiète. Ouais. Attends, je t'envoie du monde. Ok. Ah ouais, ça va plus. Je peux envoyer plus de monde, c'est bien ça. T'es mort. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant dans toutes ces merdes. Non. 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 Le seigneur du péché. Bah, il est là, mais il est mort. Orbe du regret? C'est une nouvelle ça. Ah ouais. Récupère là. Ah, je sais c'est quoi. Elle donne un point de remboursement. Ok. Donc c'est pas important. Mais je veux quand même l'utiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? À mon avis, je pense que maintenant niveau stuff on est bien, hein, clairement. Voilà, on est plutôt cool. Bon, allez, viens, on avance. Bon, on va vider les merdes. Hein. T'es où? Par là? Ouais, ouais. Attends, ce que là. Ah. Ah, bon, on a toujours la PEC sur nous. Il est pas fini. Voilà. On a vu, c'est un truc de quête, mais on l'a pas encore utilisé. Orbe de transmutation, c'était quoi? Attends, ça j'en ai encore. Orbe de transmutation. Non, moi j'ai altération, augmentation, alchimie. Ah, j'ai encore une d'alchimie. Oh. Nice, éclat. Ah non, orbe de transmutation, j'en ai plus. Et moi j'en ai récupéré maintenant. Attends. Ah ouais, c'est pour améliorer un objet normal en objet magique. D'accord. Donc, en normal, il me reste... Soit ouais. Bah, il me reste un truc normal, c'est mon casque. Donc, si je prends orbe de où était l'orbe? T'es perdu. Là. Voilà, maintenant j'ai un casque magique. Wouhou. Qui me rajoute de l'intelligence et qui me rajoute de la vie maximale. Ah. Je suis plus intelligent. Hein, moi, teubé. Gagné.
Bah non, je frappe comme un bourrin, mais en pensant. C'est ça. Si je frappe à 40 degrés, je ferai peut-être des dégâts plus forts. C'est ça, j'ai mis des rapports. Ah, y'a quelqu'un là. Hein, c'est quoi ça? Je sais pas, mais on va aller voir. Ouais, on va aller voir. On peut pas, faut pas le tour. Ah bah elle est partie. Elle est partie, c'était une PNJ. Y'a Elena. On peut pas aller, faut tuer monter. Fidelitas. Faut tuer les Faritas, il a dit. Faut tuer les Faritas. Ah bon, les Faritas. Et le Dorum aussi. Je crois que c'est ça. C'est ça les Feritas. Attends, je t'envoie du monde. À l'attaque, les gars. Je balance du poison au passage. Et du et de l'électricité, voilà. Ouais, je lui rends des haches comme ça, c'est pas utile. Voilà, ça, là. C'est fait. Appareil étrange. C'est pas rassurant ça. Ah, j'ai trouvé une gemme maléfique. D'accord. Alors, j'ai trouvé une baguette sculptée d'œuf 17. C'est quoi ça, une gemme maléfique? Alors, faut parler à Elena. Elena, elle est où Elena? Elle est redescendue en bas. Ouais. Un appareil de transmutation. Ah non, d'accord, c'est le livre, ok. Bon, ouais, c'est le livre. On peut aller parler à Elena. Allons parler à Elena. Elena. Allez voir Elena en ville. Ah, on peut retourner au campement de la forêt. Hein. Putain, il faut retourner au portail, vous y sont sérieux. Ah bah attends, il y a obtenu gemme maléfique, moi je l'ai pas eu. Ah là. Ah là, ça fait partie d'une quête. Ah ouais. Ah bon, ouais. On peut passer par... Ah non. Ah, par contre... Et la gemme maléfique, elle sert à quoi? Je sais pas. C'est un objet de quête apparemment. Et on a encore l'apex aussi. Ouais, c'est vrai. Ah non. Oh bah, je suis venu voir... Je suis venu voir du coup, il y avait la femme dans le feu là, bah ça sert à rien. Donc ne viens pas, ça sert à rien. D'accord. Du coup, maintenant il faut retourner au campement, c'est ça? Ouais. Ah bah attends. Reviens. On va activer un portail. Ah bah oui, c'est vrai. On est t'active toi hein. Ou j'active moi? Ok, c'est activé. Allez, campement de la forêt. Bonjour. Parce que c'est chaque fois chichi à faire des balades. C'est ça hein. Bah j'en ai 18 t'es par chemin de portail donc ça va. Oh j'aurais quelque chose aussi tu sais. Au lieu de se casser la tête à faire un tournant en rond. Ouais. Voilà. Bon faut parler à Elena. Ah bon, on peut parler à Creuset aussi. Bon je parle à Creuset comme ça c'est fait. Ah on peut récupérer du stuff du coup. Ah ma première orbe rouge. Voilà. Ouais. Et voilà. Elena, elle est là. Elena. Alors, et Elena. Trouver le pic de Maligaro. Ouais. Explorer ah, dans la forêt de l'effroi. Attends, moi j'ai pas ça. Ouais, mais il faut parler à Elena. J'ai parlé à Elena. Ah, mais après, faut... Ah, Elena, pas Yelena. Non. Moi, j'ai parlé à Yelena. Voilà. Il faut aller dans... L'angle donc, de la explorer le... Ah, on y était, ça. Ouais, c'est explorer la forêt de l'effroi, c'est ça? Explorer la forêt de l'effroi, aller dans la crypte, et aller dans l'antre... Aller dans l'antre de la tisseuse. Donc, la suite de l'histoire, c'est explorer le forêt de l'effroi, de toute façon. Ouais. Bon, on va aller voir ça, alors. Hein. Moi, je garde les secondaires pour quand on merde, tu vois. Attends, je vais voir où c'est. Et moi où c'est. Alors, l'encre de la tisseuse. Non. C'est quoi le nom de la quête? L'encre de la... Non, c'est pas l'encre de la tisseuse, c'est l'effroi. Donc c'est... Saint et sauf. Ah, saint et sauf. Ok.
Ok, il faut aller à la... Attends, je te donne pas de bêtises. Il faut retourner au Paloon. Au Paloon? Ouais. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin passer à travers l'arbre. Ok, alors... Paloum. Paloum, Paloum. C'est pas l'un ni l'autre, lol. Ouais. Ça va l'été. Non. Non, on peut pas passer là. Pourtant, ils disent que c'est ici qu'on doit aller. Et comment tout? Je sais pas. Au moins qu'il y a un pont à passer. C'est bizarre. Il parle explorer de la carte, les fourrés de l'effroi afin de trouver le repère. Donc il faut explorer les fourrés de l'effroi. Ouais. C'est où les fourrés de l'effroi? Apparemment c'est derrière ici l'arbre. Et la zone elle est... Sur la carte la zone elle est cassée. Donc est-ce qu'il faut pas débloquer cet endroit? Comment tu le débloques? Je sais pas. Peut-être en faisant des quêtes, je sais pas. Pas du tout. Parce que normalement la zone elle va jusqu'au point et là la zone elle s'arrête comme si elle, la route était barrée, tu vois. Ouais. On peut faire le petit pic de cruauté, ça ouais. Hein ? Les racines du problème. Un arbre gigantesque et imposant bloque le chemin vers les ruines Val. Vous trouvez peut-être un moyen d'y passer plus tard. Ah d'accord, ok, bah, à mon avis c'est ça. Sain et sauf à mon avis. Les ruines Val. Ok, on peut pas y aller maintenant. C'est marqué, on peut pas y aller maintenant. Ok. Ah, ok, j'ai eu peur d'un coup là, me fais pas un coup comme ça toi. Non, c'est parce que je regardais mon inventaire. Donc actuellement on peut faire, alors. On peut faire le pic de cruauté maintenant et le voyage en terre sacrée. Mais on est plus près des pics de cruauté. Si tu veux. Pic de cruauté, c'est par où? Alors, il faut. Ah, bah attends, on peut peut-être prendre un portail. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire, putain. Bouton à la con. Ici, il y a le téléporteur, il est là. Ouais, il y a le téléporteur. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est imbécile. On va à la forêt occidentale. Ok. On va dans la petite zone qui est en bas en fait. Dans la petite zone qu'on n'a pas encore été. Apparemment, ouais, ben, la forêt de l'effroi qui est en elle bas, est mais qui est peut-être en haut maintenant. Ouais. Sur le plan par logique, elle est là. Oh, ouais, chier. Ici, on va voir. Moi je descends, tu m'as dit descends, je descends. Ouais. Attends un peu. J'attends un peu. Parce que j'avais oublié que j'ai ça aussi. Ah, mais quoi? J'avais une pierre rouge, mais attends. Ah mais j'ai pas assez de force pour la mettre. Ah bah c'est... Et qui manquait de force. Ouais, il faut 31. Ah peut-être pour toi alors du coup. Tu la veux? Bon. Je suis déjà tellement stuff en pierre rouge. Ouais. Bah, je la revendrai. Ah si j'ai choisi une pierre rouge, je me suis dit bah je vais en prendre une pierre rouge, c'était la première. Bah ça sert à rien du tout. J'aurais dû prendre une bleue ou une verte, hein, fait chier. T'as pas la carrure pour porter du rouge. C'est ça, hein. Moi je suis rouge, je suis bleu. Moi j'attaque à distance. Bleu.
Pourquoi tu remontes? T'as dit que c'était en bas. Ah oui, c'est des cul-de-sac. Il y a un cul-de-sac, ouais, c'est pas que je veux remonter, c'est que j'ai pas le choix. Il y a un campement ici. Ah, lettre pour Atterri. Bah, il atterrit alors. Il y a un chemin là. Ah, j'ai une porte. C'est la porte du prisonnier, non, c'est pas là. Perdu. Attends, la porte du prisonnier. Ah oui, d'accord, par là. Ok, donc c'est pas là, ça doit être en haut. Il y a beaucoup de monde ici. Oui. Non, cul de sac. La 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 la. Comment passer à côté de toutes les petites merdes. Toi aussi tu passes à côté. Oh ouais, je cours pour trouver quand même l'endroit quoi. Je sais même plus ce qu'on cherche hein. Un pic. Ah y a quelqu'un là, on peut parler. Ouais, je vois. Ah, on a le choix de l'aider ou de la tuer. On a aucune quête pour ça. On a pas eu de choix. Bon bah elle va mourir alors. Ah non, elle nous attaque. Ah ouais. On a rien demandé nous. Voilà. Voilà. On a même pas eu le choix. Nickel. Bon, ça répond toujours pas à nos problèmes de où est cette entrée. Non. Ouais, oh, ouais, je mets une tourelle de défense. Voilà. Ah, il y a une porte là. Je crois que c'est la bonne. Le cours d'eau, non. C'est pas celle-là. Et on fait le tour de la map encore. Tu vas voir, c'est chouette, y'a pas de remords. On arrête pas de tourner dans ce putain de contrée. J'en commence à devenir fou. La 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 la. J'ai trouvé une porte. Ah. L'antre de la tisseuse. C'est ça. J'y suis. L'antre de la pisseuse, non, j'ai quand même. L'antre de la pisseuse. Eh bien. Ça sera pareil, c'est d'arriver. Bizarrement. Non, c'est un pangolin. C'est une couturière, tu sais. Ah, il y a beaucoup de fils par terre. Hein. Elle nettoie pas bien, l'araignée, franchement. Non. Très mauvaise phase de ménage. Ouais. Beaucoup de l'araignée, hein. C'est pas par là. Pourquoi je te suis, moi? Oh, moi je vais à droite, à gauche, j'essaye. Allez, enlève-moi ces enfers là. Oh, les enfers! Allez hop, on met une tourelle de défense, on met du poison. On invoque les crânes, c'est bien ça les crânes. Des crânes. Allez, on met une deuxième tourelle. Une orbe de joaillier transforme le nombre de chasses d'un objet. Alors, par là. Non, cul de sac. Saloperie. C'est toi le cul-de-sac. Bon ben. Et on tourne en rond et j'en ai vraiment marre, la la la.
cul-de-sac par là. Oh, on va invoquer les soldats, hein. C'est là, il y a un peu de monde, hein. Ouais, tourelle de défense. Ah, on a tué la soifée. Ah, mais il a plus soif maintenant. Ah, plus soif. A tout bu. Cul de sac, c'est l'autre côté. Bizarrement, c'est le quatrième embranchement qu'on n'a pas pris. Wouhou, trop bien. Saloperie. Ce jeu ne se fout pas du tout de ta gueule. Bah non, c'est pas par là non plus. Ah, oh non, c'est là-bas tout en haut. Hein, putain, fais chier. J'en ai marre. J'étais perdu. Tout droit. En fait, c'est le seul endroit qu'on n'a pas été voir. J'en ai marre. Ah, il y a un icône bizarre là. Ah oui, il faut libérer la pisseuse ici. Allez, libère la pisseuse. Ah, ma santé, elle descend, putain. Ah non, c'est pas elle la pisseuse. Voilà. Voilà. Bon, on continue. On continue alors, hein. C'était pas ça. Ah, on revient là. Mais Je farfouille, hein. Ouais, moi je regarde de l'autre côté. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Oui, j'ai trouvé quelque chose. C'est bon, tu l'as ? J'y suis. Ok, j'arrive. Je ne bouge pas parce qu'elle rayonne. Elle rayonne ? Elle t'attend ? Elle rayonne. Tu vas comprendre quand tu vas être là. Ah! Voilà. Je suppose que c'est là. T'as lit isolé. Hein? Ça sent pas bon, bizarrement. Serpent. Y'a beaucoup de araignées dans ce bazar. Beaucoup trop. On va invoquer les gars. Non, plus de sac par là. Par là aussi. Ah, je sais pas si c'est le bon endroit. Coffre-fort de forgeron. Bah, par là, je vois rien d'autre donc. Ah, bien, j'ai un coffre maudit ici. On peut jouer avec. Arrive. Niveau 24. Il est où ton coffre? Il est là. Il est là. Très bien quand tu fais ça. Ah, plus. Voilà. Ouais. Tout ça pour de la merde, hein, quand même. Attends, je continue quand même par là. Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit. Bah, y'avait pas d'autre endroit de toute façon dans l'antre de la tisseuse. Ouais, mais dans l'antre de la tisseuse, il nous disait de tuer quelqu'un, c'est ça? Non, non, juste d'explorer. Ah, bah non, y'a pas plus loin, c'est un cul-de-sac ici. Ah. J'ai augmenté mes dégâts. Maintenant, en plus, quand je frappe, je provoque des hémorragies. C'est bon, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, bah, donc, c'était juste un entre isolé.
comme son nom l'indiquait. Ouais. Ah bah je vois une grosse lumière rouge, je me dis que c'est le bon. Ah ben non, apparemment. Bon bah je retourne dans l'antre de la tisseuse. Hein. Ouais. On aurait oublié quelque chose. Ouais, tu vois, quand t'es dans l'antre, ils te disent de trouver le pic de Malgaro. Donc on doit trouver le pic de Malgaro ici. Ah ouais. Donc il faut rester dans l'antre. Ah, ici le chemin, ah non, j'allais dire le chemin il continue par là, mais à mon avis ouais c'est une zone qu'on n'a pas découverte. Il y a pas plein de zones qu'on n'a pas découvertes dedans. Bah ouais. Parce qu'elle est grande cette putain de caverne à la con. Ouais. Attends, je vais essayer de me repérer à la carte. J'ai tout ouvert sauf là-bas. Ah, là, ici, il y a une porte. Ouais. Et c'est quoi? Je sais pas, j'arrive pas encore à la porte, je la vois juste sous le plan. Ok. Nid de la tisseuse. Ouais, c'est ça. Hey, putain, saloperie. Hein? Attends. C'est pas le moment, hein. Pas le moment de quoi? Mot de veille à la con. Voilà, nid de la tisseuse. Voilà. Oh. Elle est là. Et le pic de Maligaro, c'est, bah, à mon avis, c'est son coup quand tu vas la tuer. La tisseuse, et tu vas mourir. Voilà, il est là le pic de Maligaro. Voilà. Bon. Bon, à mon avis, il n'y a pas grand chose de bien. Je pense pas non plus, mais bon, je regarde quand même par acquis de conscience. Ok, et du coup maintenant, ah bah retourner au campement de la forêt. On prend un portail. Voilà. Nickel.
Comme ça, on finit celle-là et à mon avis, on va s'arrêter là. Hein. Ouais. Comme ça, il y a encore un peu pour ce soir. Il y a encore de la marche au moins. Donc c'est à qui qu'on a parlé? À fil de soie. Voilà. Voilà. Et Elena, elle a une ah bah y'a. Ouais, ce que je vois. Empoisonner l'arbre ancestral. Ah bah voilà. Bon bah voilà. On est enfin sur cet arbre. On peut s'arrêter là pour maintenant. On continuera ce soir. Ouais. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao ciao tout le monde.